para ti, necesito y Alex. Sus días. Ando normal que pus y pan con sus pies la para ti. Ahí es su respuesta ahora. ¿Cuánto de calzón? ¿Malar? ¿Y un maquete de ti? ¿Cómo? No, tú me das. Bien, tú de calzón son al tanto. Tutti i figli sono al tetto, la moitié di garzone sono al tetto, la moitié di figli sono al tetto, no? No? E poi conduttori sono al tetto, tutti i figli sono conduttori. No, vi ho malattia tu su micro minò, Et deux sexes sont également atteints. Le gène s'exprime même quand c'est le corps vert. Le gène peut être porté sur le corps de mixte. Un sujet malade a toujours un parent atteint. Un père atteint. Un parent qui s'appelle. Un super. La chi vuole le carte, la chi vuole il problema delle transe. La suggestione è un po' trasmettere la malattia indifferentemente a sentire o a sentire. Quand une maladie autosomique est récessive, le gène s'exprime seulement quand il est à l'état double. Le phénotype de l'hétérozygote rappelle le phénotype de chaque homozygote. Ça, c'est la protométhode. Le phénotype de chaque hétérozygote rappelle le phénotype de chaque homozygote. Le phénotype noir de rose rappelle le rouge et le blanc. Un enfant atteint peut avoir un parent atteint. Mais n'empêche. Les parents phénotypiquement normaux peuvent avoir des enfants atteints. Dans quelle proportion? Un quart, quand ils sont tous les deux comme les autres. Le risque dans la descendance est toujours égal à un quart. Ça dépend des parents. Quand une femme conductrice d'une maladie, quand une femme conductrice d'une maladie récidive et Alix est mariée à un homme normal. Yes. Toutes ces filles seront. Attends, c'est la vraie question. Toutes ces filles seront conductrices. La moitié de ces garçons seront atteints, oui. La moitié de ces filles seront malades. La moitié de ces filles seront conductrices et l'autre moitié normale. Oui. Tous ces enfants seront phénotypiquement normaux. Quand un couple a donné naissance à un enfant atteint d'une maladie autosomique récessive, très souvent il s'agit d'un couple hétérozygote. Il y a un risque de 1/8 de donner un autre enfant malade à chaque grossesse. Toutes les générations sont touchées. Non. Il faut lui déconseiller toute autre grossesse. Non. Il faut faire le karyotype chez l'enfant malade. Non, justement, ça n'a rien à voir avec le périodique. Une maladie autosomique récessive, ce n'est pas du tout un problème de périodique. Mais il est quand même bien. Le périodique et les gènes, c'est autre chose. Le périodique, c'est les chromosomes, c'est des anomalies visibles au microscope. Le périodique génique, c'est des anomalies visibles par les avis du séquençage et du phénotypage. Les chromosomes s'observent au cours de la phase M du cycle cellulaire. Oui, M c'est la dégmitose. Ils sont composés de nucléosomes. Oui. Comprennent en partie des protéines histones. Oui. Ont une structure variable pendant le cycle cellulaire. Oui. Comprennent toujours deux chromatides. Non, ça dépend de quelle phase du cycle cellulaire. Oui.
Le centromère. Le centromère relie le bras court au bras long du corps d'un chromosome. Oui. Aide au classement des chromosomes par sa position. Oui. Est en position terminale au niveau du chromosome 13. Et qui est une constriction secondaire. Okay. Joue un rôle essentiel dans la ségrégation des chromosomes. Un chromosome métacentrique n'a pas de télomère. Il peut porter le numéro 13 dans la galerie. Non, c'était la concentrique. A, un indice automérique égale à un demi. Il peut porter le numéro 2 dans la galerie. Non, c'est est un chromosome inversé. Non. Et à propos du chromosome inversé, le chromosome numéro 2, le chromosome numéro 2, chez l'homme, hein? Tous les chromosomes du chimpanzé, tous les chromosomes du chimpanzé sont identiques aux chromosomes humains. Sauf que le chromosome numéro 2, il est chez le chimpanzé deux après-centimes. Sauf que le chromosome numéro 2, le chromosome numéro 2 va au fait. Ça c'est le 2 chez l'homme. Hein? Chez le chimpanzé, il a le chromosome numéro 2 humain, par son infime chez le chimpanzé, c'est-à-dire que là, c'est du chromosome qui est enrobé de ce gène. Le chromosome à la fois enrobé de chimpanzé. Alors, les gens qui font des bouquins, ils délirent beaucoup, c'est ça. Moi, je n'y crois pas, je ne crois pas à l'évolution de l'intérêt. Même si 98% de notre génome est porté à plus de chers français. Madame, où nous sommes là? Attends, vous sommes pas sortis de même, vous savez. Les chromosomes sont obtenus après de la tiration de la chaleur. Marquent les chromosomes inversement par rapport au point de vue. Sont riches en adénine timide. Non, je sais. Ont une disposition caractéristique pour chaque chromosome, oui. Permettent de détecter des anomalies de structure au niveau du chromosome. Oui. Les bandes G sont toutes après en séance enzymatique. Oui. Sont observées en fluorescence. La fluorescence, c'est une autre technique. Mais c'est comme ça, parce que c'est dépassé. De toute façon, quand on fait les bandes G sur les cellulaires, on ne peut plus de pinocchio. La fluorescence, c'était pour détecter les hétérochromatides, les chromosomes de graines, c'était pas si facile. Sont riches en bande GC, ok. Permettent de détecter les anomalies de nombre. Non. Donc, permettent de. Non. Comment vous pouvez distinguer une trisomie 4 par rapport à une trisomie 5? C'est complètement bon. Hein? Comment vous distinguez une trisomie 21 par rapport à une trisomie 22? Il n'y a pas les bons. Trisomie 13 par rapport à une trisomie 14?
Permettez de localiser des podcasts sur les chromosomes. La diagnostic cytogénétique prénatale se pose à force de voir la présence d'une anomalie chromosomique équilibrée chez l'un des parents. Oui. Un mère paternel de plus de 30 ans. Non. Des avortements et répétitions au cours du contexte précédent. Oui. Non, c'est d'ailleurs. Les avortements à répétition, c'est une indication de caractéristique chez les parents. Alors, ça c'est une faute que tous les hémogénétiques nous font. Quand une femme fait un avortement, on fait des caractéristiques chez les parents, chez la femme et chez son mari. On ne va pas attendre la grossesse pour faire un caractéristique. Ça ne sert à rien. Si le caractéristique des parents est normal, on va faire un chez les parents. Je vous pourquoi. C'est que l'avortement n'était pas dû à une anomalie chromosomique, c'est autre chose. C'est une, c'est quelque chose que continue à faire même les gynécologues, même les seniors. Les avortements à répétition au cours du grossesse précédent, la détection d'une malformation fœtale et coopérative. Les deux parents sont posés légèrement hétérozygotes pour la mucoviscidose. Une anomalie chromosomique équilibrée peut provoquer un déséquilibre dans la descendance. Peut provoquer des avortements à répétition. Peut être une translocation réciproque. Oui. Peut être une translocation Robertsonienne. Oui. Peut être une inversion. Non. Si. Oui. Si. Si. Bien. Parmi les chromosomes suivants, lesquels peuvent être impliqués dans une translocation Robertsonienne. Une anomalie. Je vous dis plus tout à l'heure pour les transformations, les élections. Alors, 13, 14, 15, hein. C'est bon. Parmi les caractéristiques supports, lesquels ou lesquels sont équilibrés. Oui, c'est. 45X. Déséquilibré. 46, translocation 6-15, oui, elle est équilibrée. 45, translocation 13-21, oui, elle est équilibrée. 47, non, 46, à nouveau. Expose à la constitution de gamètes déséquilibrés. Bien sûr. Et aboutit à un caractéristique qui comporte 45 chromosomes. Une inversion peut comprendre le centromère d'un chromosome. Peut être paracentrique. Un remaniement chromosomique équilibré. Peut aboutir à une anosomie de combinaison. Une anosomie de combinaison, c'est-à-dire les anomalies de combinaison. Et noter I suivi du numéro du chromosome impliqué. Un chromosome acrocentrique
Ah, et même dit son premier figure à Anthony. Non. J'ai jamais présent dans une présentation personnelle. Si. Et toujours présent dans une présentation personnelle. Oui. À partir d'un groupe, c'est le comme son humain. Et le groupe, c'est le comme son humain. C'est le comme son humain. C'est le comme ça c'est le trop de vous demander, parce que le groupe c'est quelque chose de vieux. Soit les chromosomes à concentrer, qui est soit du groupe D, soit du groupe D. Mais visible comme microscope électronique, parmi les anomalies, les chromosomes suivants, lesquels sont équilibrés. Nous sommes invités à lire. Spero che il libro parte la professione. Perché il libro che è il papiere a zero, dica che c'è un lavoro. Quanto la professione, bisogna mettere la professione alla persona. Io ho tanti di 3.000 lire. Se mi fate la professione? No. No? Quando sono X? No. No? E adesso ho preso qui. Sì. E no, perché non dico normale, mi chiediamo la professione per via vedere. E lì ho tutto questo. Et il y a une presse, c'est une carte de l'agent fonctionnaire entre deux personnes qu'on va le faire. Et elle reste par la vie. C'est une carte de l'agent fonctionnaire. Comment sera le sort? Très amis. Qu'est-ce que les monosomiques? Ne peut jamais avoir un enfant normal. Oui. Elle dit, ça ne peut pas avoir, ça peut avoir un bras, elle a fait 13 avant. 13 à ce soir, il y a un choc qui est qu'elle est à la jeune, pas au climat. Avec ça, ils n'ont pas compris. Ils vont dire qu'ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté, on ne va jamais vous donner un enfant normal. Ils n'ont pas accepté ça, ils vont continuer à voir qu'ils vont monter au cours de autant de développement. Non, non, c'était 14. Voilà, donc c'était impossible. Ah, c'est théorique, hein, là, on va voir qu'on va faire des vidéos. Théorique. Un demi. C'est théorique, un demi, on va faire des vidéos. C'est toujours stérile. Alors, remarque, les hommes qui ont une anomalie chromosomique, qui va être équilibrée, ils ne sont pas stériles, mais en général, ils sont un peu incomplets. Donc, stop, c'est un peu de l'air. Mais ils ne sont pas stériles. C'est le chromosome X inactif.
J'étais informé, j'ai formé le premier ministre, je ne sais pas comment c'est la philosophie à l'heure. 69, oui. 45, oui. 45, les amis de la bière, non 45, les amis de la bière. 46, oui. Avec 46, c'est une désunique. Et 46, c'est une désunique. Oui, c'est une désunique. A, B, B, E. Quand vous voulez, je vais t'indiquer si c'est un point à la parlementaire. Quand un homme a une impression plus importante d'un autre homme, il est forcément retardé mental. Non. Il peut avoir des troubles de la spermatogenèse. Il peut avoir des enfants mal formés. Sa femme peut faire des avortements à répétition. Cela indique le diagnostic pour l'état de chaque grossesse. Même si il y a tous les autres hommes, on peut entendre une victime de la spermatogenèse. Allez, alors la Roumanie indique un autre risque qui va être l'appareillement. C'est compliqué. Donc la mécanique de la spermatogenèse est compliquée. Donc il y a un frein à la spermatogenèse. C'est une insuffisance, c'est un frein qui est mécanique. Donc, quand un homme a une version plus identique de nos hommes, il est forcément un peu mental. Alors, en fait, la chambre très stressée, c'est un cas. Donc, qui va le faire avec elle? Tous ces enfants seront de cause, non? Elle risque d'avoir des avortements. Oui. Tous ces enfants bien seront plus de 13. Oui. Il faut lui faire un diagnostic de la table de grossesse. Non. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut lui déconseiller toute grossesse. Oui. Oui. Malheureusement. Parmi les formules suivantes, lesquelles sont tératogènes, c'est un tératologie. C'est un tératologie. C'est c'est sûr.
Formation,
c'est la diandrie, c'est-à-dire une conversion d'un homotype par deux spermatozoïdes, ou bien digynie, c'est-à-dire une conversion d'un homotype d'exemple bipolaire par un spermatozoïde. Quels sont les critères de classement du chromosome primaire? La taille, la dysautonomie et les bords. Écrire les formules, là, tu dois lire les 8 livres. 7. 45 XX sur les virgules, XX sur les Y, virgule plus 18. Chromosome 21, 45 virgule Y ou X, virgule moins 21. 2021, livre en mosaïque. 40, t'as bien pris la mosaïque, hein? D'ailleurs, je préfère le livre normal. 47, virgule, XI, pour les XY, virgule, plus 21, dans le 46, XX, pour les XY. Quel est le mécanisme de formation d'un chromosome dans l'eau? L'élection, je vais voir les gens qui l'ont mis. L'élection des deux kilomètres. Si t'es deux anomalies chromosomiques avec un phénotype normal, un peu moins cher, une version périphérique, une version paratoplique, une version personnelle, une version exceptante. Quelles sont les causes génétiques d'une aberration chromosomique? Alors, elle est confrontée, en plus d'inversion, de modification. Les causes génétiques. Anomalie chromosomique avec un phénotype normal, très négatif. Alors, les inversions périphériques, les inversions paratropiques. Les causes génétiques d'une aberration chromosomique, c'est les anomalies chromosomiques. Et qui les différentes des femmes? Les causes, grandes causes génétiques. On peut dire qu'il y a une colonne, il y a une autre cause génétique, mais pas la trata. L'effet interchromosomique. Pas l'effet interchromosomique. Les quatre facteurs d'entraînement externe. Voilà, ça marche très bien. Les facteurs d'entraînement externe, hein, mais les facteurs médicamenteux, infectieux, hormonaux, physiques. Expliquer comment la testostérone peut être un facteur thérapeutique. La masculinisation, une habitude du sexe féminin. La masculinisation, une habitude du sexe féminin, testostérone. Citer deux virus thérapeutiques. C'est une norme. Les périodes de sensibilité thérapeutique. La période d'insensibilité est liée à la première semaine. C'est-à-dire si la loi du tout ou rien. La quoi rien. La première semaine, c'est la loi du tout ou rien. Soit l'embryon il meurt, ou il se répare, il continue à normalement. À partir de la deuxième semaine, jusqu'à la fin du deuxième mois, ça c'est la période de haute sensibilité. Là, c'est là où il y a les malformations les plus graves. À partir du troisième mois, c'est la période de sensibilité modérée. Et elle reste quand même une période de sensibilité. Donc, pour le cerveau, c'est sensible jusqu'à la fin. Je suis dans la première semaine, le matériel, la période embryonnaire, quand la période fœtale. Hé, comme là. La première. Dans l'ordre chronologique, elle a fait d'elle. La plus grave, oui, la période embryonnaire. La moins grave, c'est la période l'ivade G, la période fœtale. Ou l'ivade G, la première semaine. Ok.
Voilà, à la chronologie, la parole de sécurité. Expliquer avec un exemple l'arrêt prématuré du mouvement morphogénétique. Et puis, conduire au hospital, mais là, on a lancé ça. Arrêt prématuré du mouvement morphogénétique, il met mèche le neuroport, il n'y a pas une fermeture du neuroport en cadet, il n'y a pas de fermeture du neuroport en cadet, il n'y a pas de fermeture du neuroport. Normalement, le tube malade va se fermer. Si ne se fermerge pas totalement, il donnera le même. Alors, c'est pas dit si c'est antérieur, puis la pulvérité si c'est postérieur. Le mécanisme de l'apparition d'une cyclopie, c'est la sonde d'un bourgeon médian. C'est-à-dire, dans l'embryologie, c'est une règle. La sonde d'un bourgeon médian entraîne la fusion de deux bourgeons latéraux. Alors, c'est le cas de la sirène. C'est le cas de la cyclopie, c'est le cas de l'autocéphalie. Vous aurez initié la cyclopie, il n'y a pas la coupe pour faire des lunettes. Expliquer le mécanisme de l'action opératogène d'un gène muté. Un gène muté, c'est-à-dire une protéine absente ou anormale. C'est-à-dire un mécanisme de différenciation qui n'existe pas, c'est-à-dire une induction qui n'existe pas. Si le gène est muté, il n'y a pas la protéine, mais il y a une protéine anormale. Donc, dans les deux cas, il n'y aura pas un phénomène d'induction, puisque là, pour l'embryologie, les inductions sont propres à des protéines. S'il n'y a pas de protéine, il y aura un problème d'induction, donc il y aura un problème de différenciation. C'est un problème de formation d'organes, de tissus. Citer deux causes de variation de l'action des facteurs thératogènes. On a l'effet d'os, on a l'effet thérat, facteur des espèces, l'effet d'os et l'effet thérat. Et les deux aussi sont liés, c'est plus simple. Et un deuxième point. Ceci est un ordre chronologique des différents types de prélèvements oculaires pour réaliser un diagnostic de la table. Donc, par exemple, un contraste entre la gardola, après 21 semaines, et qui est un diagnostic entre les 18 semaines, au centre du cordon en prévention. Et les indications dans la santé, dans le suivi de la grossesse. L'indication de l'amniocentèse dans le suivi de grossesse. Alors l'amniocentèse permet soit pour faire pour chercher une anomalie chromosomique, soit aussi pour chercher une anomalie génique. Mais elle en fait. Bonjour, dans le diagnostic, il y a des cellules fœtales. À partir des cellules fœtales, il y a des analyses chromosomiques ou polygénales.